Durant le cours précédent, nous avons abordé les angles de déclinaison et de déviation qui séparent les différents nords, nord vrai, nord magnétique et nord compas. Et on avait travaillé sur des corrections de cap. Mais on va faire la même chose maintenant avec des relèvements. Les formules sont exactement les mêmes en remplaçant le C de cap par le Z de azimut, qui est un synonyme de relèvement. Alors pour ça, on va utiliser toujours dans le sujet du TD numéro 1 les exercices 5 et 6. Donc tout d'abord, l'exercice numéro 5. Cet exercice met en scène une obligation que vous retrouverez à chaque quart, une obligation qui est dans la réglementation internationale de l'OMI, transposée directement dans le droit français. Il s'agit de vérifier au moins une fois par quart et à chaque changement de route, que le compas que vous utilisez pour le barreur qui tient la route du navire, mais aussi pour le compas qui sert à mesurer les relèvements et trouver la position du navire sur la carte par triangulation, vérifiez que ce compas a une erreur, qui est toujours celle qu'on utilise pour les corrections de calcul, mais aussi qu'elle n'est pas en train d'évoluer, qui ferait suspecter éventuellement une erreur. Donc on appelle ça vérifier ou mesurer la variation du compas. Et pour faire ça, le principe est de comparer le relèvement compas, mesuré à l'aide de ce compas sur un alignement, par exemple, l'alignement de deux amers terrestres, avec le relèvement vrai qu'on mesure pour ce même alignement sur la carte. Donc quand on est à proximité des côtes, on peut voir des amers et profiter de l'alignement de deux amers pour faire cette mesure. Quand on est loin des côtes, on ne voit plus les amers terrestres et à ce moment-là, on utilisera des amers célestes, en l'occurrence les étoiles. Par exemple, le relèvement vrai du Soleil qu'on peut calculer, ou le relèvement vrai d'une planète ou d'une étoile la nuit, qu'on peut calculer de la même manière. Donc ces calculs astronomiques sont faits en troisième année. Pour cette première année, on va voir avec l'exercice 5 comment vérifier ou mesurer la variation du compas en usage à bord à l'aide d'un alignement. Donc on a déjà expliqué que à bord, dans la réalité, vous aurez un compas gyroscopique à bord qui est beaucoup plus simple à utiliser. Bien souvent, vous constaterez que sa variation est nulle ou à cause d'une petite erreur de mesure ou de calcul, vous trouverez une variation qui est proche de zéro. Mais dans le cas des compas magnétiques, la variation est souvent beaucoup plus importante parce que la somme des deux corrections, déviation, déclinaison, peut aller très loin de zéro, au-delà de plus 10 ou moins 10. Donc on va faire les premiers ensemble et voir à cette occasion quelques pièges quand on est aux extrémités de la courbe. Donc, petit 1. Un navire est en route au cap compas 265. C'est le cap compas qui a été ordonné par le barreur au chef de quart, dans l'hypothèse ici où le navire fonctionne uniquement avec son compas magnétique, parce que c'est un petit bateau qui n'a pas de compas gyroscopique ou parce que le gyro est cassé. Tandis qu'il gouverne au cap compas 265, le navire franchit l'alignement d'entrée du port d'Audierne. C'est un alignement qui était tracé autrefois, comme celui à l'entrée du goulet de Brest, mais qui n'est plus tracé depuis quelques années, probablement parce que le CHOM a estimé que ce n'était plus un relèvement, un alignement important pour les gros navires, uniquement pour les plaisanciers. Donc depuis 2011, il n'est plus tracé sur la carte. Donc dans ces cas-là, on le relève avec la règle de Cras, et on va le faire ensemble sur la carte. Donc sur la carte, on mesurera le relèvement vrai, et avec son compas, le chef de quart mesure le relèvement compas de cet alignement, 337 degrés. À côté de la position du navire sur la carte et pour l'année en cours, le chef de quart a calculé que la déclinaison vaut 5 degrés ouest, donc moins 5 degrés. La question est de savoir d'abord quelle est la variation du compas quand on utilise cette observation, on compare le relèvement vrai et le relèvement compas. Et ensuite, à l'intérieur de la variation, on a vu qu'il y avait deux angles, on va extraire la déviation et comparer la déviation calculée à l'aide de l'alignement avec la déviation donnée sur la courbe. Et on en déduira en plus si la courbe de déviation est exacte ou non. Donc on va commencer par mesurer le relèvement vrai de l'alignement d'entrée du port d'Audierne. Alors pour ça, je vais utiliser non pas la carte à plat que j'ai utilisée pour les vidéos précédentes, mais une carte destinée à la plaisance. Donc elle est suivie d'un L pour leisure, loisir. Et devant Audierne, on va mesurer l'alignement d'entrée.
Audierne se situe ici. Et l'alignement d'entrée utilise ces deux feux-là. Donc avec la règle de cran, on va mesurer quel est le relèvement vrai de ces deux phares. Donc je mets la flèche dans le sens des deux amers que j'observe et je vais utiliser un compas à pointe sèche pour m'appuyer sur un ou l'autre des deux amers et pouvoir faire tourner ma règle ou la faire coulisser. Alors ici, les deux amers sont très proches à l'échelle de la carte, donc la mesure n'est pas très précise. Sur une carte plus détaillée, ils seront plus éloignés, on aura une mesure plus précise. Ou tout simplement, on peut lire dans les instructions nautiques combien de degrés vaut ce relèvement vrai. Donc, je fais glisser le petit rond le plus au sud sur un méridien ou un parallèle, comme on a vu dans le premier TD, et je mesure, là je me mets sur un parallèle. Donc, le petit rond est sur le parallèle, je suis des yeux ce parallèle, je lis d'abord les dizaines, entre 330 et 340, et je lis maintenant les unités, ça me fait 331. J'ai vérifié par ailleurs dans les instructions nautiques, puisque la mesure ici est peu précise, compte tenu de la proximité des deux amers, c'est bien 331. Donc on va maintenant calculer cette variation. Sur la carte, on a mesuré un relèvement vrai au 331 pour l'alignement d'entrée du port d'Audierne. Et sur le compas, on a vu dans l'énoncé qu'on avait mesuré 337 degrés pour le relèvement compas. Donc, il s'agit du compas magnétique. Quand on parle du compas tout seul, par défaut, c'est le compas magnétique dans tous ces exercices. À bord, comme il est quasiment jamais utilisé, on parlera du compas sans préciser parce qu'on n'utilise que le compas gyroscopique. Et on va calculer la variation. W, c'est le relèvement vrai moins le relèvement compas. C'est exactement comme les calculs qu'on aurait pu faire avec le cap, puisque ces angles, cap ou relèvement, se mesuraient depuis le nord. Donc, si on change de nord, on a les mêmes formules pour les caps et les relèvements. Donc sur les caps, ça aurait fait CV moins CC. Donc nous, on va utiliser celle-ci et comparer le relèvement vrai, 331 degrés, moins le relèvement compas, 337 degrés. On a donc une variation qui nous fait moins 6 degrés. On a vu qu'on pouvait la noter de deux manières, ou bien avec des degrés et plus ou moins, ou bien avec les degrés éventuellement minutes, et les points cardinaux est ou ouest. Alors ici, moins, ce sera ouest, donc 6 degrés ouest. Deuxième étape, on sait que la variation est la somme de deux angles, la déclinaison et la déviation. Donc on va isoler la déviation. Petit d, ce sera la variation moins la déclinaison. Donc avec les valeurs qu'on a trouvées, moins 6 et la déclinaison, on a vu dans l'énoncé qu'elle vaut 5 degrés ouest, donc moins 5. Alors dans les corrections, je rajouterai volontairement des parenthèses pour bien voir si les signes sont liés à la valeur elle-même ou bien aux opérations qui viennent de la formule. Donc aucune obligation de faire autant de détails, mais c'est simplement pour faciliter la compréhension. Donc moins 6, moins par moins, plus 5, il nous reste moins 1 degré. Donc la déviation vaut moins 1 degré, on pourrait aussi l'écrire 1 degré ouest. Alors on va maintenant comparer cette déviation qu'on a observée sur l'alignement avec la déviation lue dans la courbe. Donc comme je vais utiliser le petit d pour la déviation de la courbe ou de l'alignement, pour distinguer les deux origines de déviation, je vais rajouter un petit o pour observer sur l'alignement. Et dans la courbe, avec un petit C. Et on va lire ça dans la courbe pour le cap actuel du navire. Dans l'énoncé, le cap compas, c'est 265. Donc on va rentrer dans la courbe au cap compas 265 et chercher la valeur de la déviation. Donc 265, ça nous sera entre 260 et 270. Ici, on rentre dans la courbe
avec le cap qu'on peint. Donc on peut directement chercher abscisse et ordonnée. On n'a pas besoin de la droite de pente moins 1. Et on trace avec la règle parfaitement parallèle au quadrillage un trait horizontal. Donc l'intersection se trouve ici. Je peux maintenant tracer verticalement vers le haut ou vers le bas pour lire la valeur de la déviation. Donc la déviation ici, c'est moins 1, moins 2,1 degrés. Donc pour faciliter la lecture sur la vidéo, j'utilise un feutre très large. Mais quand vous tracerez dans la courbe de déviation, je vous encourage à utiliser un crayon à papier ou un stylo qui écrive très fin afin d'avoir une bien meilleure précision. Donc vérifiez que vous êtes toujours bien parallèle au quadrillage, tirez un trait bien étroit et cherchez bien l'intersection. Pour être précis sur l'intersection, je vous encourage à tracer aussi les droites verticales et horizontales de part et d'autre de votre intersection. Tout simplement parce que quand vous avez deux droites qui se coupent bien perpendiculairement, l'œil détecte facilement l'intersection. En revanche, quand vous avez des droites qui se coupent de manière oblique, l'intersection peut être perturbée pour l'œil si vous avez à proximité d'autres droites. On pourrait penser qu'elle est un peu plus proche d'un côté ou de l'autre. Il y a toutes sortes de phénomènes visuels comme ceci qui peuvent vous tromper. Par exemple, deux droites qui sont parallèles, si je les fais couper par des intersections, des hachures comme ceci, elles peuvent sembler tout d'un coup s'écarter. Donc pour ne pas se laisser embrouiller par ce genre de phénomène, quand vous avez l'intersection de la courbe avec votre droite, ne vous contentez pas de la dessiner d'un seul côté, dessinez-la des deux côtés, verticalement et horizontalement. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tracé au bon endroit. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Là encore, je vous demande pendant les interros de montrer que vous êtes capable de mettre en œuvre avec la meilleure précision possible ces méthodes. Après, dans votre carrière, libre à vous de dégrader l'information à vos risques et périls. Voilà pour ce premier exercice avec une mesure d'alignement, une mesure pardon, de variation du compas sur un alignement. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Cette variation, elle va être utilisée chaque fois qu'on va vouloir mesurer des relèvements sur le compas et les tracer sur la carte. On va rajouter la variation. Donc le relèvement compas qu'on aura lu sur le compas, on lui rajoutera la variation et on en déduira le relèvement vrai. C'est ce relèvement vrai qu'on pourra tracer sur la carte. Parce que sur la carte, avec la règle CRA, on travaille par rapport au nord vrai. Les méridiens sont tracés vers le nord vrai. Cette déviation, qu'est-ce qu'on va en faire? On va comparer la déviation lue dans la courbe et la déviation observée sur l'alignement. Donc si elles ne sont pas les mêmes, le problème est de savoir qui a raison. Est-ce que c'est la courbe ou est-ce que c'est l'alignement? Alors dans la réalité, on conclura toujours que c'est la courbe qui est fausse. Parce que la courbe a été mesurée peut-être il y a 5 ou 10 ans, à l'époque où le bateau avait un certain magnétisme, ce magnétisme a pu évoluer avec le temps, très lentement, mais sûrement, le magnétisme du navire change en intensité, en direction. Et cette mesure a été faite dans un coin du monde qui est peut-être très différente de la zone où le navire navigue actuellement. Donc, quand on aura une différence, on conclura que la courbe est fausse et on précisera deux choses. De combien elle est fausse, en valeur absolue, et on rajoutera que cette conclusion est valable uniquement pour ce cap compas. C'est-à-dire qu'on a tiré une conclusion aux alentours du cap 265, on dira elle est fausse ici de 1,1 degré, mais on ne peut pas conclure sur le reste de la courbe. Peut-être qu'ailleurs elle est bonne, peut-être qu'elle est encore plus mauvaise. La conclusion qu'on vient de tirer, c'est valable uniquement au voisinage de ce cap. Donc la conclusion pour ce genre d'exercice sera la courbe est fausse. Alors la différence en valeur absolue de moins 1 à moins 2,1 degré, il n'y a pas de convention qui dise s'il faut faire l'un moins l'autre ou l'autre moins l'un, donc donner l'erreur en valeur absolue. Et on conclura pour le cap compas 265 degrés. Alors je vous demande de rajouter toujours cette information, sinon la phrase est incomplète et fausse.
Et pas seulement de dire pour le cap actuel ou pour le cap compas actuel, vous rajouterez pour le cap compas et vous rajoutez la valeur. Donc la conclusion nécessite toutes ces informations. Si jamais vous trouvez une erreur de 0,1 degré, vous conclurez que la courbe est fausse de 0,1 degré. Vous êtes chargé pendant le quart de faire la permanence que le commandant ne peut pas assurer jour et nuit, mais vous êtes chargé dans ce domaine de mesurer la variation et de la donner. C'est pas à vous d'analyser, d'interpréter. C'est le commandant qui interprétera s'il voit effectivement que on a toujours 0,1 degré à ce cap-là, à un autre cap, etc. Il conclura 0,1 degré, 0,2, 0,3. C'est l'épaisseur du trait. Donc, il n'est pas nécessaire de refaire une courbe de déviation. En revanche, s'il voit en consultant le journal de navigation que durant les derniers quarts, les derniers jours de navigation, on a toujours une erreur qui est de 1 degré, et puis s'il va voir les signes, peut-être toujours de 1 degré en plus, là, il posera des questions sur la pertinence de cette courbe de déviation, et peut-être demandera à la prochaine escale, au prochain arrêt technique, de refaire une courbe de déviation, et en général, avant de faire la courbe de déviation, on refait même la compensation, on replace correctement les aimants autour du compas. Voilà, donc on va faire ensemble le deuxième exercice, le petit B. Et cette opération, vous devez la faire au moins une fois par quart et à chaque changement de route. Donc si la route du navire, par exemple, a changé parce que vous avez passé Pamar, votre navire se déplace le long de la route. On va mettre les heures, 10h, 10h15, 10h30. Et ici, vous avez un changement de route. Donc, vous avez dû faire une variation au moins une fois sur cet axe-là. Et là, comme la route tracée par le commandant a changé, vous devez aussi faire une nouvelle mesure de variation, etc. En revanche, imaginez qu'ici, il y a un navire de pêche qui sort du Guilvinec, un petit port de pêche breton, et vous oblige à faire une anticollision. Vous allez vous retrouver à côté de votre route, au sens de la trajectoire prévue par le commandant, mais ça ne vous oblige pas à faire une variation. Quand vous cherchez à éviter un navire, il vaut mieux se concentrer sur la manœuvre anticollision que sur la réglementation qui vous demanderait de faire une mesure de variation. Donc ici, vous changez de cap, mais pas de route au sens de la trajectoire initialement prévue. Donc si votre car a uniquement deux routes, deux segments de route fond comme ceci, bah vous ferez deux variations pendant votre car. Si vous faites une transatlantique, peut-être vous aurez la même route pendant 4 heures, bah vous ferez au minimum une variation, plus si vous vraiment vous ennuyez pendant le car. Voilà donc pour le premier exercice, on enchaîne avec le deuxième. Pour le petit B, un navire est en route au cap compas 77. Il franchit l'alignement d'entrée du goulet de Brest et le relève au 59. Sachant que la déclinaison est 2 degrés 35 minutes est, la courbe de déviation est-elle exacte pour ce cap compas? Alors, comme tout à l'heure, on va regarder sur les cartes l'alignement d'entrée du port de Brest. Alors, c'est un alignement d'entrée qui est noté avec un trait noir et qui utilise les deux phares de la pointe du Port Zic et du Petit Minou. Alors celui-là, il est toujours tracé sur la carte par le CHUM, parce qu'il est considéré comme très intéressant même pour les gros navires. Et donc quand il est tracé, vous voyez à l'extrémité le relèvement compas, quand on regarde depuis la zone maritime, les deux amers. Donc ici c'est du 68, donc on pourrait vérifier avec la règle CRA, mais vous pouvez faire confiance au CHUM, en général c'est donné avec une précision de 1 dixième de degré. Donc on va prendre le relèvement vrai sur la carte, 68. Donc, pour l'exercice 5, petit b, sur la carte, on a noté le relèvement vrai, 68. Dans l'énoncé, on a noté le relèvement compas, 59. Donc, la variation, ce sera le relèvement vrai moins le relèvement compas, qui nous fait 68 moins 59. La variation vaut donc plus 9.
Donc on peut l'écrire aussi avec est ou ouest, c'est positif ici, donc 9 degrés est. Et on va se servir de cette variation quand on fera des corrections pour passer du cap vrai au cap compas ou du cap compas au cap vrai. On va aussi en profiter pour vérifier si la courbe de déviation est correcte. Donc on va isoler la déviation, on va noter avec un petit O pour ne pas la confondre avec la déviation lue dans la courbe. C'est la variation observée sur l'alignement moins la déclinaison. Donc le plus 9 qu'on vient de calculer, moins la déclinaison donnée dans l'énoncé. C'est 2 degrés 35 minutes est. Alors, 2 degrés 35 minutes est. Je voudrais l'écrire sous la forme plus ou moins. Ici, ça va être plus puisque c'est l'est. Et 2,1 décimale. Alors, pour les 35 minutes, si je veux le transformer en degrés décimaux, il faut que je divise par 60. Donc, quel est le multiple de 6 le plus proche de 35? C'est 36, 6 fois 6. Donc on va dire que c'est approximativement 6 fois 6, qu'on va diviser par 6 et ensuite par 10. Donc 6 fois 6, il simplifie, il va rester 6 dixièmes, qui fera 0,6. Donc on va transformer le 2 degrés 35 minutes est en plus 2,6 degrés pour l'opération. Et finalement, la déviation observée, ça nous fera plus 9 moins 2,6, il restera 6,4 degrés positif ou éventuellement 6,4 degrés est. On va comparer cette déviation observée sur l'alignement avec la déviation lue dans la courbe. Le cap compas actuel, c'est 77. Donc on va rentrer dans la courbe et lire pour ce cap compas quelle est la déviation. entre 70 et 80, je vais faire avec un crayon gris plus fin. 77, on est là. Je mets la règle bien horizontale et je trace une intersection. L'intersection est ici. Je remets la règle bien verticale pour aller lire là où la déviation. Et je lis plus 5, plus 6, plus 7,2. Donc plus 7,2 degrés. Donc je trouve une différence entre la déviation observée sur l'alignement aujourd'hui, à la position où mon navire est situé, et la déviation lue dans la courbe, qui a été mesurée il y a peut-être 5 ou 10 ans, à un autre endroit du monde, à la sortie du chantier, quelque part en Asie. 7,2. Donc je conclus qu'il y a une différence, que c'est la courbe qui est fausse. Donc la courbe est fausse. De combien? Alors on va donner l'écart en valeur absolue. De 6,4 à 7,2, il y a 0,8. Et très important, je précise que c'est observé uniquement pour le cap compas 77 degrés. Et je ne peux pas conclure pour le reste de la courbe. Il faudrait lire le journal de navigation plusieurs jours auparavant, et pendant que le navire navigue, il utilise différentes routes, et comparer avec toutes ces différentes routes, comment sont réparties les erreurs. Est-ce qu'on a tout le temps plus 0,8 ou moins 0,8, toujours dans la même zone ou partout? C'est le commandant qui chargera de cette analyse et conclura éventuellement s'il faut refaire la courbe ou pas. Voilà pour le deuxième exercice. Donc, vous avez encore d'autres sujets pour vous entraîner, petit C, petit D. Dans le petit C, c'est un cap compas. Dans le petit D, c'est un cap gyroscopique. Alors, pour le cas du compas gyroscopique, les formules ressemblent beaucoup à celles du compas magnétique, mais il n'y a pas de déviation déclinaison, il n'y a que la variation. Donc, ce sera cap vrai égale cap gyroscopique plus variation gyroscopique. C'est une variation qui est fixe. Elle ne change pas avec le cap, elle évolue très très lentement avec la latitude. Ça c'est valable pour les très vieux navires qui avaient des vieux compas gyroscopiques. Aujourd'hui, ils sont tous capables de se corriger eux-mêmes, si bien qu'ils vous donnent une information qui est vraie. Normalement elle est vraie, et la variation normalement aujourd'hui est toujours nulle. Si on va très haut en latitude, elle commence à s'éloigner de zéro. Donc, pour les calculs, on utilisera ces formules quand on travaille avec le relèvement gyroscopique.
que ce soit un compas magnétique ou un compas gyroscopique, l'obligation de mesurer la variation une fois par quart et à chaque changement de route est toujours valable. Donc ZG plus WG. Ou encore pour l'exercice, ici ça nous fera variation gyroscopique égale relèvement vrai moins relèvement gyroscopique. Donc ces exercices sont corrigés en détail dans les pages qui suivent. On va maintenant regarder l'exercice numéro 6, où on veut passer d'un compas à un autre. Donc on fait ça en général sous la contrainte, lorsque on a une avarine qui est en train de ne plus utiliser le compas gyroscopique. Pour le petit a, le barreur gouverne actuellement au cap gyroscopique CG égale 132 degrés. Tout d'un coup, une avarie électrique prive la passerelle de l'information du compas gyroscopique. Sachant que la déclinaison calculée pour l'année en cours sur la carte à proximité de la position du navire, cette déclinaison vaut 3 degrés 37 minutes est. La déviation est donnée dans la courbe et la variation gyroscopique, qui a été mesurée quelques quarts auparavant, vaut moins 1,5 degrés. Avec ces informations, on nous demande de calculer quel est le cap compas, sous-entendu du compas magnétique, qu'il faut ordonner au barreur pour que le navire garde le même cap vrai. Là, on a travaillé avec différents compas donc qui ont chacun des références de nord différentes. Et on veut au final que notre navire garde la même trajectoire, donc le même cap vrai par rapport au nord vrai. Donc, on va corriger cet exercice. Et pour ça, passer par le cap vrai. Alors pour trouver le cap vrai, on va partir du cap compas. Pardon, du cap gyroscopique. Au début, c'est du 132. Rajouter la variation gyroscopique. Donc, moins 1,5 degré. Et en déduire le cap vrai. Donc, 132 moins 1,5, il nous reste 130,5 degrés. On va maintenant retrancher la déclinaison pour trouver le cap magnétique et ensuite retrancher la déviation pour trouver le cap compas à ordonner au barreur. La déclinaison, on a vu qu'elle valait 3 degrés 37 minutes est. Donc on voudrait transformer ça en plus ou moins, ça sera plus parce qu'on a l'est, et 3, combien? Alors pour le savoir, il faut transformer les 37 minutes en degrés décimaux en les divisant par 60 minutes. Donc ça nous fait 37 divisé par 6 et encore divisé par 10. Alors quel est le multiple de 6 le plus proche de 37? C'est 6 fois 6, 36. Ce qui nous fait, en simplifiant, 6 dixièmes, qui fait 0,6 degrés. Donc ça nous fera plus 3,6 degrés, moins plus 3,6 degrés. Donc on va trouver 127, 126, 9. Et retrancher maintenant la déviation. Alors la déviation, on la trouve dans la courbe. Mais on a vu que dans la courbe, les axes sont gradués avec la déviation et le cap compas. Ici, cap compas. Or, dans notre situation, on n'a pas le cap compas ni la déviation. On les cherche. Donc on a vu, la méthode consiste à tracer la droite de pente moins 1, qui est en fait ni plus ni moins que la représentation de cette formule-là. Et on passe par l'abscisse à l'origine, on cherche en fait sur l'axe du cap compas la valeur du cap magnétique 126,9. Alors 126,9, quasiment à 127. Quand vous cherchez une valeur intermédiaire entre les deux graduations, vous le faites à l'œil. Il n'est pas nécessaire de tracer une homothétie ou quoi que ce soit. Contentez-vous de faire la lecture à l'œil. Ça n'empêche pas d'être rigoureux. Donc 126,9, c'est mon cap magnétique ici. Et je vais tracer la droite de pente moins 1. Donc pour ça, j'ai besoin d'au moins un deuxième point. Donc si je vais de 10 carreaux vers la droite, ça fait 10 degrés.
et de un carreau vers le haut, ça fait 10 degrés. On a vu qu'ils n'avaient pas la même norme, les deux axes horizontaux et verticaux. Une autre manière que je vous suggère, c'est de partir du quadrillage, ici et là, éventuellement, pour plus de précision, de prendre deux points très éloignés. Et une fois que vous avez bien aligné votre règle, vous la glissez. Alors quand vous faites ça, et essayez de prendre une seule main, parce que quand il y a deux mains, il y en a toujours une qui va plus vite que l'autre. Et vous glissez votre règle jusqu'à la mettre au bon compas magnétique, au bon cap magnétique. Et vous tracez la droite. Une fois que vous avez trouvé l'intersection ici, on trace verticalement vers le haut. Je suis bien parallèle au quadrillage. Et je lis une déviation qui vaut plus 5,5. Donc on va continuer l'exercice avec ces valeurs. Moins de la formule, plus de la lecture dans la courbe, 5,5 degrés. Donc quand on retranche 5,5 à 126,9, il va nous rester 121,4 degrés. Donc avant l'avarie électrique, on était au cap gyroscopique 132. Le barreur suivait le cap à l'aide de son compas gyroscopique. Comme celui-ci n'est plus disponible, il faut lui donner les moyens de travailler. Il passe sur un autre instrument, le compas magnétique. Et à ce moment-là, comme les deux appareils ne donnent pas les mêmes références de nord, il faut lui donner la nouvelle consigne de cap pour que le bateau suive toujours la même direction. Et donc c'est le cap compas 121,4 sur le compas magnétique. Un mot sur le scénario de cet exercice. On vous explique qu'une avarie électrique a rendu indisponible le compas gyroscopique. En réalité, il existe certains appareils à bord qui sont considérés comme indispensables, si bien qu'ils sont secourus par des batteries. Donc ce genre de mésaventure n'arrive pas spontanément. Et ici, il faudrait imaginer qu'on a d'abord eu une avarie électrique, il n'y a plus de production électrique dans le navire, et qu'on a dépassé la durée de vie des batteries qui secourent les installations cruciales de la passerelle. Donc ça laisse quand même plusieurs quarts, plusieurs heures, avant qu'on soit vraiment contraint d'abandonner le compas gyroscopique. On va faire ensemble le petit B, et je vous laisserai le C et le D avec la correction pour vous entraîner. Celui-ci m'intéresse parce que on va se retrouver aux limites de la courbe. Donc on va voir comment se tirer d'affaire. Faisons ensemble le petit B. Pour le petit B. Le barreur gouverne au cap gyroscopique CG égale 356 degrés. Lorsqu'une avare électrique prive la passerelle dans la formation du compas gyro, sachant que la déclinaison vaut 5 degrés ouest, que la déviation est donnée dans la courbe, que la variation gyroscopique vaut moins 2, calculer le cap compas ordonne au barreur pour conserver le même cadre. C'est exactement le même exercice, avec des valeurs différentes. Donc, le cap gyroscopique, au début, c'est 356. On va rajouter la variation gyroscopique, qui vaut moins 2. Donc, le cap vrai fera 356 moins 2, 354 degrés. On va retrancher la déclinaison qui vaut 5 degrés ouest, donc moins 5. Et on trouve un cap magnétique qui nous fait moins par moins plus 359 degrés. Il nous faut maintenant retrancher la déviation pour trouver le cap compas. Et on va trouver cette déviation dans la courbe. Comme à l'exercice précédent, on rentre dans la courbe avec le cap magnétique, donc on est obligé d'utiliser la droite de pente moins 1, qui passe par l'abscisse à l'origine, 359, cap magnétique 359. À 359 se situe ici sur la courbe. Et quand je trace la droite de pente moins 1, imaginons que je prenne une intersection ici, une autre là, pour bien aligner ma règle, et qu'ensuite je la fasse coulisser jusqu'au 359. Si je trace bêtement à cet endroit-là, je vois que je n'ai pas d'intersection avec la courbe. Donc deux possibilités. La première, la mauvaise, consiste à prolonger la courbe à main levée. C'est la mauvaise parce que la courbe, vous n'avez pas son équation, sa forme parfaite. On peut en prolonger à main levée, ce ne sera qu'une approximation, mais on peut faire beaucoup plus simple. C'est plus facile de prolonger une droite avec sa règle que de prolonger une courbe pour laquelle il n'existe pas de règle.
Vous savez que cet axe qui est gradué avec le cap compas consiste en fait à balayer l'horizon. Donc quand vous êtes arrivé à 360, c'est que vous êtes revenu au point de départ. Donc au lieu de prolonger la courbe, ce que vous pouvez faire, c'est considérer que 359, c'est la même chose que moins 1, et aller chercher une droite qui passe par là-haut. Donc je vais repérer deux intersections pour aligner ma règle, bien orientée, et ensuite je décale pour aller au 359. Et là, je peux tracer la droite et observer son intersection. J'aligne la règle bien verticalement pour remonter dans la graduation supérieure de la déviation. Et je peux lire ici, la déviation, elle vaut moins 5, moins 6,2. Voilà, avec ces précautions, vous pouvez garder une précision de une décimale sur la lecture de déviation dans la courbe. Donc, je vous demande de conserver cette précision et ce sera le critère pour la correction, hein, un intervalle d'erreur de plus ou moins 0,1 degré. Donc la déviation lue dans la courbe, c'est moins 6,2 degrés. Moins par moins font plus, donc on va se retrouver avec 359 plus 6,2, ce qui fait 365. 2 degrés. Là encore, un commentaire. Je ne l'ai pas écrit dans le polycopier, mais c'est du bon sens. On sait que les caps compas sont définis entre 359,9 degrés et 0,0 degrés. Donc, quand vous voyez un résultat numérique comme ceci, il est correct. Mais ce n'est pas le cap que vous allez ordonner au barreur. D'abord, parce que le barreur ne trouvera pas cette graduation sur son cap. Et surtout que ça va faire rire tout le monde à la passerelle, et en général, le lendemain, on est au courant sur tous les océans du monde. Donc, pour éviter d'en pâtir dans votre réputation, pensez, quand vous avez un résultat numérique comme ceci, à faire plus ou moins 360 degrés. C'est comme les modulos de pi que vous utilisiez au lycée. Donc ici, pour revenir dans l'intervalle de définition, on va faire moins 360, et on conclura que le cap compas à ordonner au barreur, c'est du 0,05. 2 degrés. Alors le barreur, lui, il a un compas avec des graduations en degrés et parfois en demi-degrés. Donc vous pouvez lui donner des demi-degrés. Ici, on dira 5,0 degrés, donc gouverné au cap compas 5 degrés. Mais sur les pilotes automatiques, aujourd'hui, on peut paramétrer avec une précision d'un dixième de degré. Donc, si le barreur utilise le pilote automatique, vous lui direz gouverner au 0,05,2 degrés. Pour vous entraîner, vous avez les deux autres exercices, petit c et petit d. Donc, cette fois, c'est la suite de l'histoire. Après avoir gouverné, changé de cap, on a rétabli le compas gyroscopique. Et donc, on veut revenir du cap compas au cap gyroscopique. Donc, on veut en fait faire les opérations dans le sens inverse. Pour le petit dé, le barreur gouverne au cap gyroscopique et compare avec son compas magnétique. Et il considère que la déviation et la déclinaison magnétique sont parfaites. Et avec cette hypothèse, il veut en déduire quelle est la variation de son compas gyroscopique. Voilà, donc ça vous fait manipuler ces formules. Je vous laisse chercher et vérifier vos résultats dans la correction. Donc après ces calculs de déviation-déclinaison, je vous encourage à vous entraîner pour être vraiment à l'aise. D'abord pour connaître par cœur ces formules qui concernent le passage d'un cap, d'un compas à un autre. Contrairement à toutes les autres formules qui vous seront données durant les interrogations, celles-ci, vous êtes supposé les connaître par cœur. Donc apprenez-les. N'ayez aucun doute sur les conventions pour les signes plus ou moins sur l'horizon. Ne pas les confondre avec les plus et moins pour les longitudes. On a vu que c'était exactement les conventions opposées. Et comme ça, vous serez au vent de la bouée pour l'interrogation. On va continuer le cours avec des mesures de distance. Alors pour ça, on a besoin de définir l'unité de distance. Il s'agit du mille. Alors vous avez quelques mots sur le mille dans le polycopier. À la page 12. On avait vu que la projection de Mercator a entraîné une dilatation des latitudes. Ça veut dire que quand on a mesuré 30 degrés de latitude en partant de l'équateur, sur le papier de la carte,
ça nous fait cette distance-là. Mais 30 degrés de latitude entre des latitudes plus élevées, 30 et 60, sur le papier, ça nous fait une distance beaucoup plus grande. Alors que 30 degrés de latitude, c'est 30 degrés mesurés le long d'un grand cercle. Donc, si vous mesurez la longueur de cet arc, L, c'est alpha, l'angle mesuré depuis le centre de la Terre, fois le rayon terrestre, alpha étant en degrés. Donc, qu'on mesure cet arc de cercle entre l'équateur et 30 degrés ou entre 30 et 60 degrés, la longueur de l'arc est toujours la même si l'écart de latitude est le même. Or, sur le papier, on voit que ça augmente quand on s'éloigne de l'équateur. Ça veut dire que la même distance à la surface de la Terre, elle nécessitera plus ou moins de papier pour la représenter. On avait vu que c'était la raison pour laquelle les échelles sur la carte ne sont pas utilisables. Une échelle est calculée pour une latitude, mais pour un trajet oblique ou pire, pour un trajet nord-sud, il est impossible de calculer une échelle. Donc, on ne travaille pas avec les échelles comme on ferait sur les cartes routières, qui sont équidistantes. On va devoir contourner l'obstacle en inventant une autre mesure. Cette mesure, cette unité de longueur, c'est le mille. Donc, le mille consiste à découper le périmètre terrestre en 360 degrés. Donc le périmètre terrestre est 2 pi r, c'est la même formule ici, mais on a pris un angle qui fait le cercle complet. R, le rayon terrestre, et on a divisé d'abord en 360 degrés, et ensuite chaque degré en minutes. Si bien que l'angle qu'on utilise ici pour les degrés, ce sera une minute observé depuis le centre de la Terre. Donc le rayon utilisé pour le calcul, 6367 km, c'est un rayon moyen parce qu'il est un peu plus large à l'équateur, un peu plus faible au pôle, mais ça donne une valeur de 1,852 km, et c'est la définition du mille. Alors on peut être surpris que ce ne soit pas une unité internationale, mais ça aurait dû en devenir une. Il se trouve qu'à la Révolution, on a changé beaucoup de choses, et on a voulu changer les unités pour que on ait des milles qui fassent exactement 1 kilomètre. Donc on avait proposé de modifier les unités d'angle, de travailler non plus en degrés mais en grades. Ainsi, un quart de cercle ne valait plus 90 degrés mais 100 grades. Et à ce moment-là, le mille valait exactement 1 kilomètre. Donc le périmètre d'un cercle faisait 400 grades, le périmètre de la Terre faisait 40 000 kilomètres, c'est toujours le cas. Mais le grade n'a pas été retenu, les marins n'étaient pas à terre pour faire des révolutions, ils sont restés en mer. Comme ils n'ont pas participé au débat, ils n'ont pas retenu l'information. Si bien que les grades ont été complètement abandonnés, mais pour une ironie de l'histoire, le mètre et le kilomètre ont été adoptés par le monde entier. Donc, on laisse tomber les grades, il y a quelques bureaux d'études et des artilleurs qui travaillent avec, quelques calculatrices qui sont programmées pour l'utiliser, mais il n'est jamais utilisé en navigation courante. Attention, le mot mille existe depuis bien plus longtemps que son utilisation par les marins. C'était une unité de distance, hein, pour les longues distances. Donc on trouve des milles anglais, américains, écossais, romains, etc., qui peuvent être très très différents. Attention enfin, c'est un problème récurrent quand on travaille un peu en français, un peu en anglais. Le mot mille en français vaut 1852 mètres, parce qu'il n'y a pas d'autres milles en français. En revanche, quand on dira en anglais miles, par défaut, c'est un mille terrestre. Et le mille terrestre chez les anglais, il vaut 1609 mètres. Donc les anglais, quand ils parlent du mille marin, précisent toujours nautical mile. Avec cette définition du mille, on a vu en TD, où on verra selon le planning des uns et des autres, que les distances vont être mesurées sur la carte à l'aide de l'échelle des latitudes. Donc si vous observez deux points sur la carte et que vous voulez mesurer la distance qui les sépare, par exemple entre cette sonde ici et cette bouée-là, je vais utiliser mon compas à pointe sèche, venir dans l'échelle des latitudes et mesurer le nombre de minutes. Donc ici, de 5 jusqu'à 10, ça fait 5 minutes. 6, 7, 7,4 minutes, donc 7,4 milles entre ces deux points. Et à cause de la dilatation des latitudes, je vais faire cette mesure approximativement à la même latitude que les points que j'ai mesurés. Pas plus bas, pas plus haut, parce qu'on a vu qu'en bas, il se rétracte, en haut, il se dilate. Donc je resterai à la même latitude. Donc les mesures de distance se font en milles, mesurées sur l'échelle des latitudes, celle qui est verticale. Ce rappel étant fait,
On va aborder les premiers calculs de mesure de distance, calcul de distance pour les routes les plus simples, les routes cardinales. On va commencer par les routes vers le nord ou vers le sud. Et après, on avisera toutes les autres routes, ce qui vous permettra de faire des navigations dans tous les sens. Donc, imaginons qu'un navire aille d'un point A à un point B en suivant une route vers le nord ou vers le sud. Donc à partir du point départ, ou bien le point B est vers le nord, ou bien il est vers le sud. Une solution ou l'autre. On va l'appeler B'. Dans ce cas-là, si vous connaissez les coordonnées des points A et B, phi A, phi B, longitude de A, latitude de B, et longitude de B. Voilà, comme ceci. Si vous connaissez les coordonnées des points de départ et d'arrivée, ce qui est en général le cas, quand vous quittez un port pour aller à un autre port, vous connaissez les points de départ et de destination. Si on veut calculer la distance, on va l'abréger avec le petit m, de A vers B, on va calculer 60 fois valeur absolue de l'écart de latitude. Dans cette formule, la distance AB est donnée en 1000. L'écart de latitude, donc c'est la lettre majuscule grecque delta, qui est souvent utilisée pour les variations, les écarts d'un paramètre entre un point et un autre, un instant et un autre. Ça nous fait latitude d'arrivée moins latitude de départ. Attention, chaque fois que vous calculerez le changement d'un paramètre, vous ferez toujours la valeur finale moins la valeur initiale. C'est universel, c'est valable en navigation, en maths, en sport, en thermodynamique, sur la température, sur les euros, c'est valable partout. Toujours la valeur finale moins la valeur initiale. Et on mettra un signe aux latitudes. Donc, plus au nord. Et moins au sud. C'est les conventions qu'on a vues dès le premier cours. Les latitudes sont données en degrés, minutes et dixièmes de minute. Donc vous pouvez le taper directement sur la calculatrice, on va faire quelques exemples. Mais vous obtenez un écart de latitude qui sera positif ou négatif avec des degrés. Alors que les milles, on a vu, correspondent à des minutes. C'est la raison pour laquelle, pour passer des degrés aux minutes, on a ici le facteur 60. Donc on va utiliser cette formule pour calculer la distance entre un point A et un point B. A l'inverse, si on connaît le point de départ, donc le point de départ avec sa latitude et sa longitude, on sait qu'on va parcourir une distance m. M 1000 en route vers le nord ou le sud. Le problème est de savoir quelles sont les coordonnées du point B. Dans ces cas-là, on va calculer l'écart de latitude. Ça sera plus ou moins la distance m divisée par 60. Et dans cette formule, on mettra un plus au nord, un moins au sud. Le m est en 1000. Donc homogène à des minutes de latitude, c'est pour cette raison qu'on le divise par 60 pour obtenir un écart de latitude en degrés. Et à ce moment-là, la latitude du point d'arrivée, ce sera la latitude du point DA de départ plus l'écart de latitude. La longitude du point d'arrivée, on voit qu'il est sur le même méridien, donc elle sera égale à la longitude du point de départ. Voilà les coordonnées du point d'arrivée B. Donc ça, ce sont les formules pour travailler sur des routes nord-sud, quand on connaît les points de départ et d'arrivée, calculer la distance, et quand on cherche le point d'arrivée, calculer ses coordonnées. Ici, on pourrait ajouter, si l'écart de latitude est positif, ce sera route nord. Et si l'écart de latitude est négatif, ce sera route vers le sud. Voilà. Ainsi, vous connaissez la distance, le cap, ou bien les coordonnées d'arrivée des points de A et B. On va donner tout de suite les mêmes formules dans le cas des
des routes vers l'est ou vers l'ouest. Mais au préalable, on va dessiner ce qui se passe quand on travaille non pas sur les parallèles, mais sur les méridiens. Alors, je dessine l'hémisphère nord avec quelques méridiens depuis le pôle nord, ici l'équateur, et imaginons des points qui sont sur le méridien, un à l'équateur, un autre à une latitude plus élevée. Ici, quand on se déplace sur l'équateur, chaque minute de longitude correspond à 1 mille, puisque l'équateur est un grand cercle. Mais quand on est à la latitude du point B, on voit que le cercle est beaucoup plus petit que l'équateur, donc chaque fois qu'on fait un écart de 1 minute, ici j'ai 1000 degrés, c'est minute, chaque fois qu'on fait un écart de longitude d'une minute, la distance est beaucoup plus faible que 1 mille, puisque le périmètre de ce parallèle est beaucoup plus faible que le périmètre de l'équateur. L'équateur est un grand cercle, le parallèle ici est un petit cercle. Donc le problème est de savoir quelle est la longueur quand on est à une latitude différente, phi. Alors pour ça, on va prendre des situations différentes. Lorsqu'on est à l'équateur, on a vu que ça fait exactement 1 mille, et on va se mettre à une autre situation extrême. Lorsqu'on est à une latitude de 90 degrés nord, si vous parcourez une minute de longitude le long du parallèle, qui est en fait ici un point, la distance est égale à 0 mille. Donc pour résumer, si la latitude est à 90 degrés nord, la distance c'est 1 mille multiplié par 0. Si la latitude est 0 degrés nord, la distance c'est 1 mille, en quelque sorte multiplié par 1. Et pour une latitude quelconque, lorsqu'on fait une minute d'écart en longitude, on voudrait savoir quelle est la distance. Ce sera 1 mille multiplié par quoi? Et le quoi, on l'a déjà vu lors des premiers cours, c'est en fait le cosinus de la latitude. Alors ça n'a pas valeur de démonstration, mais c'est la formule qu'on va utiliser pour faire des calculs de distance. La distance le long d'une route vers l'est ou vers l'ouest sera égale à cosinus phi fois 60 fois l'écart de longitude en valeur absolue. Donc l'écart de longitude entre les points de départ et d'arrivée est calculé en degrés, 60 pour passer à des 1000 en minute, et cosinus phi pour tenir compte du rayon du parallèle qui est plus faible que celui de l'équateur. Donc on pourrait démontrer très facilement, quand on a un rayon comme ceci, que le parallèle ici a un rayon plus faible et que la latitude sera le paramètre déterminant. Donc R sera égal à R cosinus phi. Donc c'est la raison pour laquelle on a ce cosinus phi qui intervient. Donc ceci étant expliqué, on va pouvoir donner les formules pour des routes vers l'est ou vers l'ouest. Donc imaginons qu'on se déplace d'un point A vers un point B, ici vers l'est ou bien vers l'ouest. On connaît le point de départ et le point d'arrivée, donc phi A, GA et phi B, GB. Et on voudrait calculer deux choses, la route et la distance qui vont de l'un vers l'autre. Alors pour ça, on va calculer la distance. Ce sera 60 fois l'écart de longitude en valeur absolue, puisqu'une distance toujours positive, fois cosinus phi, c'est la formule qu'on vient de voir. Et pour
résumer les informations. Delta G, c'est toujours la longitude d'arrivée moins la longitude de départ. Valeur finale moins valeur initiale, avec des longitudes en degrés, donc un écart de longitude en degrés. Le 60 pour passer de degrés aux minutes. Et le cosinus phi, c'est la latitude de départ et la latitude d'arrivée, puisqu'on est en route vers l'est ou vers l'ouest. Par ailleurs, si le delta G est positif, c'est qu'on fait route vers l'ouest. Parce que les conventions sur les longitudes, c'est plus à l'ouest. Ainsi, quand on connaît les positions de départ et d'arrivée, on peut en déduire la distance à parcourir en milles, et s'il faut partir vers l'est ou vers l'ouest. Maintenant, le problème réciproque. Supposons qu'on connaisse le point de départ, et on parcourt une distance m, à l'ouest, par exemple, on fera après à l'est. La distance étant connue, on tend de 1000, le 1000 est abrégé avec le M majuscule, ça c'est valable dans la marine marchande, dans la marine nationale française, l'abréviation c'est le logo d'une petite ancre, et chez les anglais c'est NM pour nautical mile. Voilà l'abréviation qu'on va utiliser, N est une valeur, et M majuscule l'abréviation du 1000. Donc la formule pour calculer l'écart de longitude, ce sera la réciproque des formules vues auparavant. Delta G est égal à plus ou moins la distance m divisée par 60 pour passer des minutes de 1000 au degré de longitude et par cosinus de la latitude de A, puisque on reste à latitude constante, le long d'un parallèle quand on se déplace vers l'est ou vers l'ouest. On mettra un signe plus vers l'ouest. Et donc un signe moins à l'est. Une fois qu'on a calculé l'écart de longitude, on peut écrire les coordonnées du point d'arrivée. Phi B sera égal à phi A. Et GB sera égal à GA plus delta G. Le delta G qu'on vient de calculer. Alors, on va s'arrêter là pour ce premier cours. Et normalement, la séance fait 1h30. Là, on a discuté pendant 1 heure. La différence, c'est vous qui vous entraînez avec les exercices pour les calculs de variation, de déviation, de déclinaison. Donc, je vous encourage à faire tous les exercices, les sujets qu'on n'a pas utilisés dans le polycopier de TD, et à aller voir dans les interrogations. Ça, c'est systématique, c'est une compétence indispensable. Donc, elle sera testée en interrogation et probablement plusieurs fois dans le courant de l'année. Donc, maîtrisez bien ces mesures de variation sur un alignement, les exercices tels qu'ils sont proposés. Au prochain cours, on utilisera les formules qu'on vient de voir sur les routes cardinales, nord-sud-est-ouest, pour faire des carrés dans l'eau, et on verra ensuite les calculs pour toutes les routes possibles et imaginables, qu'on appelle les calculs de l'oxodromie.